Salut à tous. Salut Patrick. Tu t'appelles ? Vincent. Vincent. Ah, comme le célèbre fabricant de tambours. Exactement. Ça s'écrit aussi 20 et non, puis ça s'écrit comme ça se prononce Vincent. Et Virginie. Virginie. Bon, on parlera un petit peu de toi quand même à la fin de l'émission. D'accord, hein, okay. Hein. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir qu'on parlera de toi, de toute façon. Alors Vincent, tu as un bassin ici qui est pas mal du tout et qui a quand même un certain volume. Ouais, on est sur une centaine de mètres cubes. Donc, à savoir qu'au début, c'était pas forcément un bassin qui était prévu. Donc on avait une partie bassin de 30 mètres cubes et une partie piscine naturelle de 70 mètres cubes. Mais par la force des choses, à force de pas être sage, d'aller chez Fournier, on est passé sur un bassin de 100 mètres cubes. Donc, Il y a du monde aussi. Il y a du monde, c'est vrai. Donc faut que je me calme un petit peu pour la suite. Je pense, hein, parce que t'as 100 mètres cubes, ça permet de mettre pas mal de poissons, mais il y en a un petit peu beaucoup. Ça freine la croissance des poissons. C'est exactement, c'est pour ça que j'ai un petit projet de refaire un bassin à côté d'une trentaine de mètres cubes pour diluer la population, on va dire. Donc, Alors, tu as quoi comme filtration? Alors là, on est sur un tambour donc avec 8 entrées, 4 sorties, donc qui prend 100 mètres cubeurs. On a eu à peu près 3 mètres cubes et demi, 4 mètres cubes de tapis japonais. On a une cinquantaine de carottes Mountain Tree et 2 filtres à douche avec 400 litres chacun de Bioceraprom. C'est vrai. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pas de problème de nitrite Non, pas de problème de nitrite pour l'instant. Donc, pourtant, ils sont bien nourris, ils mangent bien. Nitrate non plus ? Nitrate un petit peu. Il y a eu un petit pic de nitrate il y a un mois et demi. Mais pour l'instant, ça va, c'est redescendu. Il y a les tests d'eau, j'ai fait une dizaine de jours. Tout est ouvert. Il faut dire aussi que ça, c'est t'as 2 filtres à douche, ça produit des nitrates à crever. Ça, donc, ça c'est le côté, moins connu du filtre à douche. Mais bon, c'est pas dramatique. Non. Tu fais des changements d'eau réguliers, je suppose. Il y a un changement d'eau régulier qui se fait, notamment par les rinçages du tambour. Plus, comme tu dis, c'était la technique du mulot, c'est ça? Ouais. Et que j'ai une légère fuite entre mon lagunage et mon bassin, du coup j'ai une petite perte d'eau et du coup j'ai une mise à niveau automatique qui se fait dans tous les cas. Donc, D'accord. Donc on est sur un renouvellement de 10% la semaine, je pense. Oui, je pense que c'est important. Évidemment, le renouvellement d'eau est toujours important, mais particulièrement dans ton cas, parce que vu la population que tu as, il y a du monde, ça pourrait vite dégénérer. Mmh. Alors toi, tu n'es pas nouveau dans le hobby du koi. Non, ça m'a piqué il y a une trentaine d'années maintenant, donc j'ai pas eu l'occasion forcément de faire le bassin que je voulais. On a eu plusieurs maisons, donc c'est ici qu'on a pu, on va dire, aboutir à ce qu'on a maintenant, quoi. Et maintenant, j'ai démarré ça, j'avais 14 ans, quoi, donc il y a une trentaine d'années, quoi. Donc, c'est papa qui t'a donné la fièvre du poisson. Non, c'était... Il y a une jardinerie qui avait ouvert près de chez mes parents et j'y suis allé et j'ai découvert ce que c'était une carpe koi en fait. Donc, ma première carpe koi c'était un Doitsu Yamabuki. Et du coup, j'en ai vu un cette année, comme je te disais tout à l'heure, chez Alan et je l'ai pris. En mémoire du premier koi acheté. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de conneries qui ont été faites dans ton bassin. C'est parce que j'ai suivi tes conseils à l'aide, Patrick. Je ne dis pas ça, mais... Toutes tes vidéos, donc... Moi, ça me fait plaisir de voir un bassin qui tourne bien, malgré une population vraiment énorme. Après, il y a du Tamasaba aussi, il y a des ides. Il y a quelques ides. Des esturgeons. Des esturgeons, ouais, donc c'est à peu près tout, je pense. Quelques nootropices, mais ça, c'est pas... En termes de pollution, je pense pas que ce soit représentatif. Non. Mais sur du petit poisson de 5-6 cm. La filtration est cachée sous la terrasse. C'est ça.
Exactement. Donc tout est, il y a rien de visible en fait. Tout est sous la terrasse en fait, en full gravitaire. Donc on voit juste le capot du filtre à tambour. C'est ça, c'est donc ça. Je n'ai pas pu montrer la filtration parce que bon, c'est un peu lourd à manipuler tout ça. Et puis voilà, c'est pas fait pour être visité toutes les 5 minutes. Non. Bah là, enfin, je veux dire, ça doit faire 3 mois que j'ai pas ouvert le capot. Enfin, la dernière fois que j'ai ouvert, il y avait le tapis était clean, il y avait rien du tout. Donc filtre à tambour. Fait son boulot. Quoi. Donc, bah oui, je pense, hein, c'est toujours un plus, hein, le filtre à tambour. Un énorme plus, un gain de temps aussi, et puis, parce que les brosses, c'était. Ah, t'as connu aussi. Hein. J'ai fait un an de brosses, nettoyer, je sais plus, 70 brosses tous les 10 jours, c'est compliqué. Donc, ah, ben bah, surtout bon, que. Ça change la vie. Hein, donc, quand on les sort, se plient, ouais, et puis après, paf. Exactement. On en a partout. Bon, ouais. Quand on est habillé en scaphandrier, ouais, ça va. Ça va, ouais, mais. Manger de la base, ça va 5 minutes. Bah, c'est-à-dire que quand on fait ça, généralement, on est dans la merde. Ah ouais, là, ouais. Au sens propre, comme au sens figuré. Et après, c'est tout nettoyé au jet d'eau, enfin, c'est ouais, une corvée. Hein, donc, puis, il n'y avait pas la population qu'il y a maintenant, donc ça sera devenu ingérable sans tambour. Quoi. Alors, tu nourris bien aussi tes poissons. J'ai vu, tu as mis un distributeur. Ça soulage quand même aussi. Hein. Ouais, ça soulage, mais bon, le soir, ils ont une bonne distribution aussi. Mais quoi, si. Voilà, quand... Ils prennent l'apéritif aussi, donc. Ouais, bah, ils ont bien raison. Non mais nous on n'est pas contre un apéritif non plus. Ah non, non. Voilà. Alors, toi c'est un petit peu particulier. C'est un peu particulier, bah, ça se rejoint en fait, c'est une passion aussi. Alors l'école j'adore, j'adore le zen et j'adore la création. Et moi j'adore faire des tableaux, donc je suis artiste et je fais de l'art aborigène. C'est ça, alors c'est superbe ce que tu fais. Merci. Là vous allez voir des images dans cette vidéo bien sûr, mm-hmm. Et puis c'est très pointiste. C'est ça, c'est très pointu. C'est du point en fait, hein, c'est des techniques que les aborigènes d'Australie utilisent depuis des milliers d'années en fait. Un peu modernisé parce que c'est très long. Si on prend la technique juste de la pointe et de la peinture, ça serait vraiment très très long à faire. Donc moi j'utilise des Posca en fait, c'est des marqueurs acryliques. Et puis bah, j'y vais en totale intuition sur une toile blanche ou sur du bois, sur du verre. Enfin voilà, je réalise sur différents supports. Ah ben, en tous les cas, félicitations. Merci. Pour les tableaux, merci. Mais aussi pour la maison qui est vraiment superbe. Oui. Bah oui, c'est l'harmonie, c'est important. On adore créer, on adore harmoniser les lieux. Enfin, c'est vraiment tout un état d'esprit ici. C'est important pour nous. Donc voilà, c'est notre maison, c'est le sanctuaire pour nous. Donc on y est bien, quoi. Donc ah ben, je veux bien y croire. Hein. Je pense que Françoise dira pas le contraire. Hein. Elle est tombée littéralement amoureuse de la maison et de tout ce qu'il y a à voir ici. Elle disait, il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà. Alors, ce qui est important peut-être pour toi, c'est que tu as un site internet aussi. Oui. Alors, en fait, je publie principalement sur la page Facebook mes ateliers parce que j'organise également des ateliers où j'accompagne les gens en art-thérapie et puis on fait des ateliers de création avec enfants, adultes, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Donc mes créations, elles sont sur Facebook, sur ma page Virgine Révèle-toi. Ou alors on aura sur cette page là le lien en fait pour le site internet qui est, c'est toujours pareil, c'est virginerevèle-toi.fr. Donc voilà. Bon ben voilà, on sait tout maintenant. Hein, on a une artiste dans la maison. Bon voilà, je crois que c'est le monde du coup. Tous les gens que je fréquente généralement, ils aiment bien l'art, l'architecture, voilà. Tout ce qui est beau. Hein, c'est bon, ça. Voilà. Ouais. Alors il faut pas être sage. Non, surtout soyez pas sage. Un peu plus sage. Toi, faut que tu le sois un peu plus. Ah bah oui, bah voilà, c'est comme ça. Eh bien, en tout cas, moi, je vous félicite tous les deux. Merci. Pour vos œuvres respectives. Merci. Hein, et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sage. Soyez pas sage. Allez, salut à tous. Salut. Ciao.